Je n'aime pas Windows 11. C'est la réponse au titre de la vidéo et ma conclusion, mais c'est pas si simple que ça. Début juin 2021, Microsoft lève le voile sur une conférence le 24 du même mois pour nous donner des informations sur la suite de Windows. Après plusieurs articles, l'ombre de Windows 11 semble se dévoiler. Les soupçons sont levés le 15 par la sortie accidentelle d'un ISO de Windows 11, la version 21996.1. Que ce soit par son design et son renouveau, la toile s'affole et la hype monte. Enfin la fin du tout carré, rebonjour l'arrondi réfléchi. Dès le début, Windows 11 montre ses points faibles, TPM, Secure Boot, des options encore inconnues. Le problème ne s'arrête pas là, ce n'est pas en mettant le voile sur les problèmes qu'ils disparaissent. Les marques du temps du développement de Windows 11 laissent des traces et sur Windows 11, ils sont toujours là. Ce qui est pour le grand public une utilisation simple, un design uniforme, pour tous les autres un visuel désordonné. Que ce soit au travers des boutons Windows XP, des fenêtres vieilles de Windows 2000. Le principe de Microsoft est plutôt logique, ajouter des fonctionnalités sur ce qui existe déjà et l'améliorer en fonction des modes. Mais pour Windows 11, ils vont plus loin. Ils sacrifient des machines encore fonctionnelles au bénéfice de nouvelles pour repartir de plus belle. Si toutes les machines sont faites pour fonctionner sur Windows 11, alors il fonctionnera convenablement. Comme on a pu le voir récemment avec les processeurs AMD et beaucoup d'autres transcriptions, ça n'est pas encore le cas. Windows 11 est pour le moment un système bancal qui ne se tient que sur ses bases solidement fondées depuis longtemps. Si vous avez envie de ne pas pouvoir exécuter n'importe quel exécutable ou encore perdre le contrôle de votre clavier et vos périphériques USB, passez sur Windows 11. J'aurais préféré que plutôt qu'accélérer la sortie de Windows 11, Microsoft ait pris l'étendue du temps qu'ils avaient pour terminer et peaufiner ce qu'ils avaient commencé. Car pour le moment, on ne peut pas dire que Windows 11 soit terminé. Bref, je n'aime pas Windows 11.